Salut, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'astuce du jour. Donc l'astuce du jour qui aura pour but aujourd'hui en fait de faire pivoter votre vidéo que vous aurez précédemment enregistrée avec le display recorder, mais qui malheureusement ne sera pas en fait, fera tourner la tête pour pouvoir la regarder. Donc aujourd'hui cette astuce va pour vous permettre en fait d'enregistrer toujours avec display recorder avec le native Davis Orientation. Ça va pas changer, mais après avoir enregistré votre vidéo, il vous suffira donc d'aller ici, vous voyez, pivoter vidéo. Alors cette application donc qui est disponible sur Instalous. Donc on va taper ça tout de suite. Donc il vous suffira de taper donc rotate vidéo, qui veut dire rotation vidéo. Rotate vidéo, donc voilà, vous aurez plusieurs choix. Vidéo, voilà, il faudra descendre, je pense, pas mal avant de pouvoir le trouver. Mais ne vous inquiétez pas, ça y est. Donc je pense que cette astuce va vous permettre de pouvoir faire votre petit gameplay tranquillement, avec une bonne qualité, et pouvoir faire un rendu aussi de bonne qualité, puisque vous n'aurez pas besoin de tourner la tête pour pouvoir regarder la vidéo. Donc je pense que c'est quand même un gros avantage. Ça plaît un peu à tout le monde, je pense quand même. Ça fait plaisir. Donc, ouais, que là, faut descendre quand même, hein, avant de le trouver. Voilà. Hop. C'est pas. Moi, j'ai galéré à le trouver. Donc, apparemment, la mise à jour fait que c'est celui-ci. Voilà. Rotate vidéo, vous voyez, et là bah voilà. Donc on va se rendre tout de suite pour un exemple. Donc lorsque je dois faire mon clip du jour, que j'ai enregistré mon clip, bah, je vais ici, je l'ai enregistré, donc je l'ai ajouté à la pellicule à partir de display recorder, puis dans pivoter vidéo, et c'est tout simple. Voilà, vous avez les pellicules, clip du jour, voyez, hop, voilà, comment vous voulez qu'elles soient rotationnées. Donc bien sûr, on va le mettre dans le bon sens, comme ceci. Et il suffit d'enregistrer. Voilà. Alors maintenant l'enregistrement aussi ça dépendra de la longueur de votre clip. Donc là bien sûr pour mon clip du jour il va pas durer 5 minutes. Je vais prendre une partie du gameplay donc qui m'a plu. Et avec celui-ci ben, je ferai le clip du jour. Donc j'espère que cette astuce du jour vous aura plu. Et moi je vais vous dire du coup à la prochaine vidéo. Donc dans une prochaine vidéo, dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse, si vous voulez que je fasse une astuce en particulier, quelque chose où vous buguez, ou bien ben pas de souci, moi je vous trouverai une petite astuce, comme d'habitude, à ma bonne vieille habitude. Et sur ce, ben moi les gens, je vous dis ciao, bye bye.